Ladies and gentlemen, bonjour à toutes et à tous, c'est Zirk pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve devant la voiture RC 6 roues que je vous avais présentée la dernière fois avec un petit montage pour la présenter. Et après la demande de quelques personnes, je vais vous en faire une vidéo où elle roule. Donc, vous voyez la voiture, la voilà. J'ai réussi à mettre, comme ce dont je vous avais parlé, les roues motrices ici et celle-ci en motrice, donc maintenant elle tourne. Hop. J'ai connecté une petite prise JST en dessous et tout ça marche miraculeusement bien. Donc toujours vitesse de pointe 42 km/h environ. C'est vraiment énorme. Là il y a deux moteurs actifs du coup. Je vais vous en montrer quelques vidéos prises avec la GoPro maintenant. Voilà, donc j'espère que la petite vidéo embarquée vous aura plu. Maintenant on va la faire rouler avec l'appareil photo, avec ce dont je filme actuellement, pour vous montrer la vitesse, etc. Vraiment c'est une très bonne voiture, hein. Vous voyez, elle est très simple à recharger, etc. Donc c'est vraiment une très très bonne voiture. Toujours aussi bien designée. Donc là, je me décale. On a le moteur ici, arrière, et le moteur à l'avant ici. Toujours autant de suspension, j'ai juste enlevé les petits crocs qui permettaient de mettre une coque dessus. Donc c'est parti pour les petits tests. Donc je suis prêt pour les petits tests avec un petit grand angle. Enfin voilà, j'ai un plus grand angle maintenant. Donc vous voyez quand normalement, quand je recule, on va reculer par là. Maintenant, ça fait plus une chenille. Donc, avant, ça se mettait un peu n'importe comment. Mais maintenant, en serrant tout ça bien, on arrive à avoir un truc assez propre, de ne pas avoir de problème. Je laisse passer la voiture et on roule. Après être tranquille, voilà quelques tests. Donc, je vais essayer de faire un petit tour, une petite pointe là devant vous. Voilà, donc. Qui est très bien avec cette voiture, autant pour l'accélération que le ralentissement. On peut aller d'un coup très très vite et d'un coup ralentir mais directement, et ça je trouve vraiment ça super bien sur cette voiture. Voilà les petites vidéos quand elle roule, toujours fixée par deux petits colliers qui sont ici, qui se trouvent ici, avec une prise JST qui passe juste en dessous. Je vais vous la montrer parce que je vous parle trop de ça. Donc là, il y a une toute petite prise JST magnifique qui va du moteur qui est ici. Donc je l'ai mis en série à ce moteur ici, donc derrière. Hop. On va retourner tout ça. Donc, vous voyez, vu de dessus, ça donne ça. Donc là, on voit quasiment plus rien ici et de ce qui est ce moteur. Là, j'ai soudé en fait la prise JST directement, pas, elle passe en dessous. Juste là, elle rejoint juste ici, elle passe par un petit trou qui se trouve ici derrière. Là on a tout le câblage, je vais vous montrer, on a tout le câblage qui se trouve ici. Oui, j'ai oublié de mettre une gaine thermo, c'est pas grave. Hop, on a tout le câblage qui passe ici, à peu près, qui va directement au moteur, et tout ça marche splendidement, très bien. Donc là, on a toujours la batterie. Avec cette batterie, je pensais que ça allait consommer beaucoup plus, alors que pas du tout, étonnamment, c'est quasiment pareil, hein, là, parce que les moteurs sont en série, donc du coup ça consomme vraiment rien du tout de plus.
Donc voilà, un petit câblage en plus en marge ici, au cas où je voudrais mettre quelque chose en plus. Donc toujours laisser un peu de marge, hein, c'est bien. Donc tout ça, on met le tout comme ça, un peu mieux, mais voilà. Ça marche super bien avec la prise JST qui passe juste en dessous, juste là, comme vous le voyez, et qui marche vraiment très bien. Donc voilà la présentation de cette voiture, j'allais dire petite, voiture 6 roues est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc la voilà, voiture 6 roues avec la dernière vidéo où je vous avais présenté comment la monter en 5 minutes, donc rajouter la partie avec les deux roues qui sont ici, et mettre de cette partie là directement en 5 minutes, ça prend vraiment pas plus de temps avec les petits collier qui se trouve ici. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et salut, c'était Ziark.